suis Jérémy, donc je suis un adhérent du Parti communiste donc de Charente-Maritime, et je suis plus particulièrement aussi le secrétaire de section de l'agglomération de La Rochelle. Moi, j'ai commencé à m'engager au Parti communiste assez récemment, c'est-à-dire il y a 4 ans, en 2012 en fait, juste après les élections présidentielles. Mais sinon, mon engagement comment dire, politique, il revient vraiment à, il y a très longtemps, c'est-à-dire en fait mes premières manifestations, c'était pendant le CPE et le CNE en fait. Donc à ce moment-là, j'étais en 4e, en 3e, enfin en 3e. Et pour moi, c'était vraiment les premières luttes étudiantes voilà, de jeunesse par rapport à la précarisation comment dire, de l'emploi. Et à mon sens, ça a tellement été un mouvement important que ça m'a permis de me poser des questions sur la société en général. En fait, ça a été la porte qui m'a amené sur d'autres questions. Et donc après, ça m'a permis de voir très concrètement dans quoi ça s'inscrivait en fait. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui s'inscrivait dans un système, en fait, le système capitaliste, et qui justement était à l'origine de plein d'aliénations dans laquelle on est aujourd'hui, et qui amène au monde dans lequel on vit, un monde qui est complètement sans dessus-dessous, avec d'un côté des inégalités qui sont très importantes, c'est-à-dire avec des personnes qui vivent dans l'opulence, voilà, ce qu'on appellerait aujourd'hui, ce qu'on appelle les 1%, et puis de l'autre côté, les 99%, c'est-à-dire vraiment les personnes qui au quotidien subissent un peu la précarité. Quoi, voilà. Et donc c'est vrai que face à ça, moi, c'est ce qui m'a aussi permis de vouloir m'engager au sein du Parti communiste. Parce que pour moi, après, il y a la question qui se pose, c'est-à-dire face au capitalisme, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, c'est vrai que les valeurs du communisme, c'est vraiment quelque chose qui me parlait. Parce qu'au-delà de se poser la question de savoir de supprimer le capitalisme, il y a quand même cette dimension de faire en sorte que l'égalité soit justement une valeur principale de notre société, et faire en sorte que les gens puissent vivre sur cette terre, en tout cas comme il faut. Quoi. Voilà. Et moi, c'est ce qui m'anime principalement. Voilà. Qu'est-ce que tu fais professionnellement, et est-ce que tu fais un lien entre ce que tu fais professionnellement et ton engagement? Alors moi, en fait, actuellement, moi, je suis animateur dans un centre de loisirs, en fait. Voilà, donc c'est vrai que je suis très en lien avec tout ce qui est éducation populaire. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Parce que l'éducation populaire, c'est surtout aussi l'accès à la culture de tous. Voilà, et que tout le monde puisse avoir les mêmes chances aussi de pouvoir réussir, avoir des savoirs. Voilà, et donc, à mon sens, c'est quelque chose qui est important, parce que c'est vrai que souvent, à la base, les personnes ne partent pas forcément avec les mêmes chances, suivant les classes sociales auxquelles ils appartiennent. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi qui est important, à savoir que tout le monde... Enfin, à mon avis, c'est ce qu'il faudrait, que tout le monde puisse avoir les mêmes chances, quoi, pour pouvoir réussir. Quoi. Alors moi, principalement, ce que je rêve, ce qui ressorte, c'est surtout des vrais objectifs en fait, pour le communisme. À savoir, c'est-à-dire quel est le parti, enfin pour le communisme et le Parti communiste, à savoir pourquoi aujourd'hui en 2016 le Parti communiste a encore une raison d'exister. Voilà, à mon sens, c'est ça qu'il faut qu'on se pose, et c'est les questions qu'on se pose d'ailleurs depuis le début du congrès. Sur plein de choses, mais à mon sens, c'est ça qu'il faut à savoir. Pourquoi le Parti communiste doit encore exister aujourd'hui? Pourquoi les jeunes ont intérêt à rejoindre le Parti communiste? Pourquoi on a intérêt à faire que le Parti communiste puisse exister aujourd'hui? Voilà. Et pourquoi surtout c'est une vraie alternative au capitalisme? Voilà. Non, merci.